Allez, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, de retour pour la troisième partie de la Jeep. Enfin, de la Jeep, je vais un peu vous expliquer le truc. En fait, je change de projet du coup. Vous savez, je veux faire un diorama, mais le truc, c'est que ce que je faisais, ça me plaisait pas trop. C'était assez compliqué pour partir sur un truc comme ça, donc... Donc du coup, je pars sur un truc, bon, plus simple, je ne sais pas, mais en tout cas, un petit peu plus, on va dire, un petit peu plus travaillé, je pense, du moins. Donc du coup, voilà, bon, on va partir sur une maison. Donc voilà, j'ai fabriqué une maison comme ça, là. Hop, vous voyez. Fallait pas, c'est pas fini, hein, j'ai fait ça aujourd'hui. Voilà, on va finir ici, là, avant, après... On va mettre, je vais vous montrer comment j'ai fait cette espèce d'effet de pierre. Pas avec la peinture, ça va le faire après, je pense. J'espère, du moins. Après, concernant le comment ça s'appelle ? Concernant l'échelle. Je suis parti vraiment comme ça, vu que j'ai des petits bonhommes. Vous voyez ? Donc là, j'en ai collé un. Bon, il est un petit peu haut parce qu'il y a le petit... Il y a ça en plus, là. Vous voyez, j'en ai collé un petit peu, j'en ai collé un quoi. Donc en fait, j'ai vu par rapport à ça et au niveau du gabarit, ça me semble pas trop mal quoi. Je sais pas si vous voyez. Parce que ici, je vais faire un petit étage du coup. Hop, et ça fait pas trop mal aussi. Donc si je remets le bonhomme à peu près, je sais pas si on voit comme il faut. Donc le truc, ça va être comme ça, donc c'est pas dégueu. Hein. Vous voyez, hop là, peut-être avec le bas. Oh. Donc c'est pas dégueu, donc voilà, donc je suis parti là-dessus, hein. Donc en fait ce que ça va donner, alors vous voyez j'ai fait mes gabarits, et après j'ai coupé tout ça à la scie à champ tourné, et puis voilà, hein, rien d'extraordinaire, après coller, tourillonner, tout ça quoi, donc rien de magique, là j'ai fait un petit sas ici, pour pouvoir, je pense, donc ici il va y avoir un étage, je vais faire certainement une échelle ici, je vais mettre une petite échelle là, tac, et comme ça ici j'aimerais bien avoir un bonhomme avec une mitrailleuse, en fait elle sera ici avec des sacs, vous voyez, un truc pas trop dégueu. Donc du coup oui, j'ai fait ma plaque, donc en fait ça va donner en gros ma plaque, elle vient comme ça du coup. Alors attendez, je vais vous montrer en gros ce que ça fait, hein. Ce que ça fera. Donc là je partirai là dessus hop. Voilà. Ensuite, on peut mettre le petit bonhomme par ici, on s'en fout. J'en ai un autre, hein, j'ai celui-là aussi. Il va falloir que je monte. Je pense que ça va être un diorama, mais qui va durer vraiment un petit moment quand même avant que ça se finisse. Mais ça me fait triper. Hein. Franchement, c'est cool à faire, c'est vraiment sympa. Je pense que la Jeep, elle va venir ici. Du coup, j'ai pas travaillé sur la Jeep, hein, désolé. Mais ça va se faire. Donc du coup, la Jeep, elle viendrait comme ça. À quelque chose près. Hop. Je vais vous montrer après comme il faut. Hein. Donc la Jeep, elle viendrait là. Et ici, en fait, il y aura un autre véhicule. Hop. Et ça sera celui-ci. Du coup, on va mettre ce véhicule qui sera aussi sur le côté. Là, il faudra imaginer. Du coup, j'aurai deux véhicules, ok ? Alors, je vais juste reculer ma caméra. Je vais mettre ma caméra en place. Ou à moins que là, ça le fait comme ça. Ouais, ça le fait pas trop mal, on va dire, avec cette caméra. Mais je pense qu'elle a un petit peu... Je vais la reculer un petit peu. Et du coup, ouais. Alors, ici, par contre... Hop là ! Alors, attendez que je fasse pas de conneries... Ici, on y mettra un petit arbre, là. Hop là, je sais pas si ça va le faire avec la caméra, voilà. Ici, il y aura un petit arbre. Ouais, je vais reculer la caméra. Alors, désolé, ça va bouger un petit peu, là, pour le coup. Hop là, si j'arrive à la sortir. Donc voilà, les amis, je vous reprends. Donc voilà, en gros, ça ferait ça, quoi. Vous voyez ? Plus ici. Donc, en fait, ma délimitation, là, c'est ça. Hein. C'est ce trait-là, ce trait-là. Là, j'ai grossi... Là, je l'ai coupé, mais grossièrement, quoi. Donc en gros, il y aura l'arbre comme ça, là ça fera des petits sacs de, vous savez, des petits sacs de, pour se protéger, avec certainement une mitrailleuse là-haut, peut-être d'autres soldats à l'intérieur là,
Voilà, donc là il y a la Jeep qui sera là. Et ensuite ici à la suite, il y aura cette maquette là. Donc le cargo truck là. Donc c'est pour envoyer, je pense, tout ce qui est comment dire, du matériel quoi. Bon, l'ouverture, je pense qu'on le fera en même temps qu'on l'attaquera. Et puis voilà. Donc ça va faire comme ça. Donc je pense que ça va être un truc pas trop mal, je pense. Je pense qu'on est mieux parti là-dessus que sur l'autre truc, parce que l'autre truc, vraiment, j'étais un petit peu perdu, quoi. Un petit peu perdu. Voilà. Donc je vais remettre la caméra, du coup. Alors attendez, ça va couper. Donc voilà, du coup, caméra en haut. Donc du coup, ici, on collera des petits morceaux comme ça. C'est pour faire le... Alors attendez, je vais repousser ça avant de faire des bêtises. Je les ai coupés, mais là c'est vraiment à l'arrache, hein. Donc on les peindra après. Je les peindrai certainement d'une couleur qui sortira bien avec la... Il y a pas mal de boulot de peinture, hein, je pense, hein. Hop là. Vous voyez le truc, ce que je veux dire. Vous voyez bien le truc que je veux dire, quoi. Donc ça vient comme ça. Hop. C'est bon, là, ça c'est à l'arrache, hein. Donc il y aura les portes, il y aura les fenêtres, tout ça. Je vais fabriquer tout ça en bois. Donc voilà. Donc là, je vais vous montrer un petit peu. On va continuer la maison. On va continuer ces petites rainures là. Donc je me prépare. Donc je range tout ça et je vous montre un petit peu. Je fais ça au Dremel. Un petit coup comme ça en musique. Et puis on se retrouve après. Bon voilà les amis. Donc alors le matériel, c'est pas compliqué, hein. C'est une petite fraise comme ça que j'utilise. Hop. Ouais, petite caméra du bas. Donc ça, c'est une petite fraise comme ça, vous voyez. Donc le petit Dremel. Alors oui, donc je mets un masque, hein, un casque sur les oreilles. Et puis c'est parti. Ok. Donc je mets ça sur les oreilles, je mets le masque et c'est parti.
Donc voilà les amis, en gros ce que ça dit, vous voyez. Donc on a fait un petit coup ensemble. Donc je vais finir ça, je vais finir tout ça tranquillement. Et puis je vous reprends après, ok? Donc je vous dis à tout de suite les amis. Allez, à tout de suite. Bon voilà les amis, donc alors le côté a été fait. Voilà ce que ça fait en gros. Bon après quand il y aura la peinture, ça sera plus joli parce qu'on va peindre certainement en noir. Faut que je regarde en noir pour faire les reliefs comme il faut. Donc voilà, là j'étais en train de faire du coup, j'ai découpé ma plaque. Voilà comment elle sera finie. Donc on fera un beau cadre autour de ça. Donc ça se positionne ici. J'ai fabriqué mes descentes de gouttières, mes descentes de dalles. Donc dans de la grappe. Donc dans de la grappe tout simplement. Hop. Donc ça ira comme ça. Celui-ci, il ira là. Vous voyez, hop. Et donc celui-ci, je l'ai coupé. Donc j'ai fait un coude pour que ça fasse plus de détails, quoi, on va dire. Un coude qui vient ici. Donc celui-ci, il viendra comme ça. Voilà. Et ça viendra se mettre. Donc ça viendra se mettre comme ça. Je sais pas si on voit. Je vais lever un petit peu la caméra. Hop là. Et ça viendra se mettre comme ça. Hop. Voilà, en gros, ça fera un petit coude comme ça qui fera un petit peu. Donc là, je percerai le bois. Je vais percer le bois pour passer ça. Et que ça soit pile poil à la côte. Parce que là, il faut que je mette mes plaques. Hein. J'ai encore d'autres plaques en bas. J'ai encore d'autres plaques qui viennent. Qui doivent se mettre ici pour surhausser ça. Pour pouvoir mettre une marche ici là. Donc voilà, il y a beaucoup de travail hein, là-dessus. Il y a vraiment énormément de travail là-dessus à faire. Mais bon, ça va le faire, ça va être cool. Pour faire ça, du coup, j'ai percé. Alors, je vais le faire tout de suite, vous allez voir, pour mettre l'autre bout. Par contre, il faut que ça soit au mieux. Hein. Celui-là, il n'est pas très très droit encore. Donc là, l'escalto, il est où le scalpel. Hop. Voilà, un petit peu au mieux. Tout à fait droit. C'est chaud à faire. Donc ça vient comme ça. Ah, c'est pas tout à fait droit encore. Hein. Bon après la colle, hein, quand elle est prise parce que c'est soudé. Hein. Hop. Pas tout à fait, c'est pas facile de que ça soit bien plaqué comme il faut. Parce qu'on en enlève d'un côté et du coup on en enlève de trop. Mais bon, en gros, ça fera comme ça, on rebouchera avec un peu de pâte plastique là. Ouais, c'est mieux comme ça. Vous voyez, hop, on va le laisser comme ça. Donc ensuite, eh ben, j'ai percé. Alors voilà, je vais percer les deux extrémités. Donc voilà, ensuite. Alors les amis, par contre, je vais vous demander un truc. Si jamais vous avez 2-3 bricoles en trop, genre de l'herbe, tout ça, parce que moi, j'ai pas tout ça, et bah, je suis preneur. Si vous avez des petits arbustes, un petit truc qui traîne de derrière les fagots, vous savez, un petit reste, un petit bout de reste que vous en servez plus, et bah, moi, je suis preneur. C'est sans obligation, bien entendu. Hein, qu'on soit bien d'accord, hein. Donc voilà quoi, si jamais même vous avez un petit bidon d'essence militaire ou un truc comme ça, vraiment, donc moi ça me rendrait bien service hein, quand même, parce que je vous cache pas que ça coûte des sous tout ça,
Et bah, je suis preneur. Donc j'ai mon adresse mail qui est en haut sur la vidéo à droite, là, je crois. Donc du coup, voilà quoi. Donc ça serait vraiment super sympa. Donc ensuite, on prend de la colle, hop, on bourre les trous. Voilà. On met la petite pointe là que je vous ai montré, que j'ai coupée. Mince, on la met dans le tuyau. Voilà, impeccable. Ok. Et on fait pareil de ce côté. On fait gaffe, on n'en met pas trop. Voilà, et ça, on le met ici. On va laisser le temps que ça sèche. Bon, c'est un petit peu long à sécher. Voilà, ça fait ça. Ok. Donc on va laisser sécher ça tranquillement. Je pense qu'on va y refoutre un coup de colle avant. Je vais mettre un petit bout de papier dessous. Bien que ça soude. Ok. Donc voilà la petite gouttière. On va laisser sécher tout ça. On laisse sécher, après on y viendra passer un petit coup de putty. Ok. Donc laisse sécher ça et puis je vous reprends les amis. Allez, à tout de suite. Bon allez, voilà les amis, on se reprend. Alors voilà, la gouttière a bien séché. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un petit peu de putty sur les joints là. Alors, vachement bien ce produit. Hein. C'est vraiment un très très bon produit ce truc. Et là du coup, on va venir, je vais me rapprocher un petit peu. On va venir boucher ces trous là. Voilà. En gros. Donc ça fera comme si c'était une petite soudure, vous savez, comme le. Donc ça, il va falloir que je le peigne couleur zinc. Pour que ça fasse un petit effet naturel. Enfin réaliste plutôt, parce que naturel. Il n'y a rien de naturel dans tout ça. Plus réaliste. Mais avant, il y a un peu de ponçage à faire. Voilà. Donc on va laisser sécher ça. Et puis voilà les amis, donc ça, où c'est que je vais le mettre? Alors attendez, déjà, ça, on peut le mettre ici. On va nettoyer ça. Hop là. Ça, on le range. Donc voilà, donc le temps que ça sèche. Le temps que ça sèche, on va regarder pour mettre, vous savez, ces petits trucs qui viennent ici, là. Alors ça, je trouve que c'est un petit peu gros. Je pense qu'il faut le réduire un petit peu. Je sais pas sur combien on était parti au niveau diamètre. Au niveau grosseur. 1 cm. Est-ce que 1 cm serait un petit peu plus réaliste? 2 cm, 1 cm et 5000. Je pense que ça serait pas trop mal. Je vais couper ça. Regardez, bougez pas. On a une bande déjà toute prête là. Hop. Alors. Donc on va couper à quelque chose près.
On va faire une bande d'un centimètre. On est d'accord? Ce qu'on voit avec la caméra du haut, oui, c'est bon, il n'y a pas de problème. Ça, on peut le reculer un petit peu. En gros, un centimètre hein, à l'œil, ça le fait. Hein. On va essayer à un centimètre pour voir si ça fait moins grossier. On coupe tout ça. Ok. J'ai ma lame de mon scalpel qui commence à être un petit peu fatiguée. Pour faire ça, ça ira bien. Donc là, on a une longueur d'un centimètre. On va même pouvoir. On va voir déjà si ça le fait. Si ça fait pas trop mal. Ensuite, on va faire. Alors. On va essayer de le couper un peu mieux. Ça va pas être mieux. Mais bon, ça sera toujours ça. Donc du coup, c'est pas non plus. C'est pas non plus au micron près. Hein. Ok. Donc on va en faire 3. 3 comme ça de 2 cm. Hop. Ça, je pense qu'on va arrêter parce que la vidéo sinon elle va durer une plombe. Voilà. Et ensuite 1 cm. Non, pas 1 cm. Ensuite 1 cm et demi. Voilà. On va partir sur 1 cm et demi à quelque chose près hein. Donc on va en faire 3 à 1 cm et demi. Voilà. Ce qui me semble correct. Donc maintenant, eh ben, on va voir le résultat sur la maison. Enfin, sur la maison, c'est plus un bâtiment, je pense. Hein. Ça ressemble plus à un bâtiment qu'une maison. Donc la gouttière, du coup, mes deux gouttières, on va les laisser sécher tranquillement. On va mettre ça dans un coin. Hop. Nickel. Alors ça on va le reprocher. Donc on va partir avec la caméra du haut. Donc on partirait. Donc un grand. Parce que je vais être obligé de faire d'abord cela. Pour pouvoir le faire l'inverse. Vous voyez, un grand, un petit. Comme ça. Collé. Etc. 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 Hop. Hop là. Et après un grand, mais ça m'a l'air d'être pas mal. Faites voir maintenant si je pars comme ça, un petit, ouais, et un grand. Ouais. Je pense que ça va le faire comme ça. C'est pas trop gros, moins grossier, on va dire. Hop. Donc là, c'est un autre grand. Donc ça, on le colle à la colle blanche. Hein. Et après, on pourra fignoler comme il faut. Donc là, un autre petit. Hop. Et là, un autre grand. Voilà. Bon écoutez les amis, je vais en faire une longueur, je vais préparer tout ça, coller même. Il faudra que je passe aussi sur le côté, je vais en préparer pour ça. Et je vous reprends, je pense que ça sera, on va s'arrêter là après. Ça sera pas trop mal. Voilà les amis, donc je vous dis à tout de suite. Allez les amis, voilà, on se retrouve. Bon bah voilà ce que ça dit, hein, à quelque chose près. Ça fait du relief. Voilà. Ça fait un peu du relief comme ça, vous voyez. Donc avec la peinture, quand tout sera uniforme, je pense que ça rendra un petit peu mieux. On fera des jeux d'ombre et tout ça. Donc voilà, donc ça m'a pris déjà un temps de malade. Et puis voilà quoi. Donc là, il manquera encore des baguettes ici. Au niveau des contours
des fenêtres, j'ai pas mal de petites baguettes. Je ne suis pas prêt. Comme ça, là. Voilà, des petites baguettes comme ça. Je pense que ça, on les collera. Je sais pas si on voit, vous voyez, on les collera comme ça. Tac, 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 tac. On fera tout le tour comme ça. On coupera des petits bouts et puis on les collera tranquillement comme ça. Hop, hop, hop. Non, bon, ça en fera quand ça sera la première, quand il y aura la peinture déjà. Il y aura les contours aussi de fenêtres là. Donc les petits contours de fenêtres, on va les faire comme ça. Alors je sais pas si on va les faire comme ça ou j'en ai des comme ça, mais en acajou aussi. Alors attendez, je sais pas ce qui rendrait le mieux. J'en ai un paquet comme ça. Peut-être les contours des fenêtres comme ça avec. Vous voyez, là on voit. Hop là. Petit contour de fenêtres comme ça. Avec des petites coupes à 45 et après on mettra les fenêtres, on fera les fenêtres qui viendra dessus. Voilà. Il y a du boulot, il y a du boulot sur ce petit machin. Donc voilà les amis, voilà le truc. Bah écoutez, voilà, donc ça sera la fin de la, c'est la fin de la vidéo. Je vais vous laisser avec tournicotis, tournicouton, hein, c'est le truc qui tourne, vous allez voir après. Et puis n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air. Hein. Surtout, ça c'est notre récompense. Et puis, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette petite vidéo. Et puis, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et surtout, faites pas les fous. Allez, les amis, à plus. Salut, ciao. Bye.